marche, alors c'est moi qui commence. Bonjour, je m'appelle Philippine. Et bonjour, je m'appelle Sabina. Et ben moi je m'appelle Julien. Moi je m'appelle Wolf. Du coup moi je m'appelle Pauline. C'est parti. Allez. Alors. Avec qui rêveriez-vous de dîner et pourquoi? Oh là là, sans hésiter Ryan Gosling, pourquoi? Parce que c'est une bombe, que j'adore cet acteur. D'accord. Et que juste l'instant d'une soirée, j'aimerais pouvoir le regarder et voilà quoi, baver devant ce bel homme plein de charisme. En ce moment, j'ai envie de dîner avec ma maman. Ah ben voilà. C'est avec bien, un personnage de fiction, je dirais Doctor Who, mais ça ne marche pas très bien. Alors, avec qui je rêverais de dîner? Quelqu'un qui serait époustouflant. Je dirais Peter Bird, c'est un photographe américain qui est toujours en vie, ça doit être un très vieux monsieur maintenant. Et c'est un photographe qui s'est fait connaître par des immenses carnets de collages incroyables et magnifiques, où il travaillait beaucoup avec le noir et blanc, où il photographiait la faune sauvage d'Afrique. Et en fait, il travaillait ses carnets en mettant des notes manuscrites sur le côté, en collant des éléments comme des plumes, du sang, des choses de la terre d'Afrique. Et ça donne un résultat visuel très chargé, mais très fort, très dense et très beau. Et c'est quelqu'un dont il est assez difficile de voir les œuvres. Et j'aimerais qu'il soit plus mis en lumière. Donc si j'avais le choix, je passerais une soirée avec Peter Bird. Eh ben, pourquoi pas Brad Pitt, parce qu'il est riche donc... Bah oui, autant de rêver, quoi. Quand je joue au star, il faut que j'aille jusqu'au bout. Bah, du coup, ça serait avec Matthew Bellamy. Qui est le... Je t'en avais parlé, je crois, quand on parlait de la basse. C'est grâce à son bassiste que je me suis mise à la basse. Et en fait, c'est le leader de la formation Muse. Ah d'accord, oui, très bien. Donc voilà, ah, oui, chanteur, guitariste, pianiste... Oui, oui, j'ai un peu sué sur un de ses morceaux, j'y arrive toujours voilà, pas. Ouais. Ouais. Donc ouais, voilà, mais j'aimerais bien dîner avec Matthew Bellamy, quand je parlerai un peu mieux anglais, quand même. Puis toujours un peu mieux de la basse. Oui, enfin lui, il est plus sur la guitare, mais... Ouais, quoique Chris Wolstenholme aussi, ouais, ça serait sympa, le bassiste. Mais il a une femme, donc c'est foutu. Voilà, j'aimerais bien dîner en tête-à-tête avec Thierry Amalric. Avec Mathieu Amalric, pas Thierry du tout. Que j'ai croisé d'ailleurs dans un train couchette. Et c'était curieux parce qu'on s'est fait des coucou. Enfin, j'ai eu l'impression, hein, j'ai dû fantasmer, mais c'était un petit peu comme dans un rêve. J'ai eu vraiment l'impression qu'on se faisait des coucous alors qu'il ne me connaît pas. Moi, je le connais, mais lui ne me connaît pas. Et voilà, j'adore l'acteur, j'adore le réalisateur, je ne le connais pas trop bien parce que bon, là, il a fait un film qui m'intrigue beaucoup, qui sort bientôt sur Barbara avec Jeanne Balibar. Avec Barbara, ça aurait été un bon dîner aussi. Ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout. J'aimerais bien manger avec Romain Gary. Parce que j'adore ses bouquins. Je trouve que l'homme est assez mystérieux. Il a quand même une vie de dingue entre la diplomatie, sa vie d'écrivain, avec sa double casquette avec Émile Ajar aussi. Et le fait qu'il ait quand même eu deux prix alors que c'était qu'une seule personne et normalement il n'a pas droit. Quel est ton premier souvenir? Peut-être un de mes premiers souvenirs, ça peut être mon sac de Lego. J'avais une sorte de sac baluchon de Lego. Ah ouais. Et en fait, il fallait l'ouvrir et ça faisait tapis de jeu, les Lego. Mmh. Je devais être petite, donc c'est peut-être ça, un de mes premiers souvenirs. Je dirais mon premier anniversaire avec toutes mes copines et mes copains. Et il me semble que j'avais deux ou trois amoureux, donc c'était assez sympa. Je crois que c'est en train de faire de la voiture à pédale sur la terrasse de chez mes grands-parents. Mais bon, ah, on monte à loin, ouais. C'était une magnifique Citroën ID rouge. Enfin, ouais, ça, je me rappelle encore. Je me souviens de quand j'étais petite, de passer les fêtes avec mes parents et être avec mes frères et sœurs. Ça, j'ai gardé ça comme souvenir, qui est très important pour moi encore. Je sais pas, là tout de suite comme ça, j'allais dire mon premier jour d'école, mais c'est pas un très bon souvenir parce que je me souviens que j'ai pleuré genre tout le chemin quoi. Enfin pas tout le chemin, mais l'arrivée à l'école. Je me souviens de l'arrivée à l'école où je pleurais. Moi c'est là j'avais les AB9 pour les fêtes religieuses. Voilà, ma c'est ça. Fête religieuse. Voilà. C'est ça. C'est quand j'étais à la crèche. Je devais avoir deux ou trois ans, plus trois ans. Je me souviens que j'étais dans une piscine à balles. Et que une piscine à balles. Oui, une piscine comme chez McDo. Exactement, okay. Piscine à balles. Et mes parents venaient me chercher et j'étais pas contente.
Voilà. Que rêvais-tu de faire quand tu étais petite? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. Parce que je voulais aller sur la Lune. C'est classe. Ouais. Oula, plein de trucs. En fait, en vrai, et j'en rêve toujours un peu, je rêvais d'être crémière. Et j'adore, sur les marchés, passer du temps à regarder les fromagers travailler, leur parler beaucoup aussi. J'aime bien beaucoup parler aux fromagers parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui me passionne à la fois dans le produit qu'ils manipulent, parce que j'adore le fromage. Mais aussi pour le métier en lui-même, le côté aussi lien avec les gens. Tu leur apportes du bonheur parce qu'en fait, tu leur donnes du bonheur en fromage. Quand j'étais petit, je voulais aller sur la Lune. Et ben moi, très tôt, bibliothécaire, puisqu'en fait, j'adorais lire et que naturellement, la connexion s'est faite dans mon cerveau. J'aime c'est les livres. C'est une vocation, alors. Donc, mais oui, je comprends pas pourquoi les gens sont bibliothécaires par défaut. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Déjà, de me marier, d'avoir une famille, ça c'est fait. Et plein d'autres choses, voyager et tout. Voilà, découvrir autre chose que mon pays. De quoi ne pourriez-vous pas vous passer? De la vie ou une journée? Journée en général ou dans la vie? Dans la vie. De lire. Je serais incapable de me passer de lire. De vivre, je crois. De vivre, ça serait la bonne réponse. Je trouve que c'est une merveilleuse expérience que je pratique déjà depuis d'assez nombreuses années, je suis bien forcément convenu. Je pourrais pas me passer de la mer, M-E-R. Alors ça c'est j'aimerais bien vivre au bord de la mer, c'est assez cliché, mais quand je suis au bord de la mer, j'ai l'impression que je ne peux pas m'en passer. Ah, de mon chat. Ah. Mon chat, pour commencer, et puis forcément mon PC, puisque c'est là-dedans que j'ai tous mes textes et où j'ai toutes mes petites affaires. Donc ouais, le chat et le PC est vraiment indispensable à ma vie. Je crois que je vais être obligée de répondre mon téléphone portable. Mon travail, c'est ma porte. Après, c'est mes enfants. Voilà. En même temps, on n'est pas obligé de répondre qu'un seul truc. Non, on peut répondre plein de trucs. Donc moi, je pourrais pas me passer de chocolat. Ouais, bon, ça, je peux le mettre aussi sur ma liste. Sûr. Ouais, je suis bien d'accord. Non, mais de chocolat, vraiment. Je pense que ça revient, mais je pense que je pourrais vraiment pas me passer de chocolat. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Les moments de bonheur, je les passe avec mes amis les plus chers et mes enfants. Je crois que je vais quand même dire qu'un truc qui me rend heureux, c'est de faire des choses. De créer des trucs, quoi. Prendre des photos, créer des bijoux, dessiner, fabriquer des choses, quoi. Donc, ouais, j'aime bien ça. Là, en ce moment, ce serait tous mes mardis soirs que je passe à faire des jeux de société avec mes amis. Ouais. Ça, c'est vraiment le grand moment de bonheur. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Moi, c'est souvent les voyages, que ce soit des petits voyages, partir pour un week-end à 2 heures de Paris, ou des plus grands voyages qui nécessitent plus de préparation, d'implication, qui nécessitent plus de dire qu'on va être surpris, ému, sans doute un peu bouleversé par certaines choses qu'on va voir. La nature aussi qui est reposante, enfin du moins dans mon coin de Poitiers, oui. Où ça me rend super heureuse d'être là-bas, près de l'eau, dans la forêt. Donc c'est pareil, je me mémerveille d'un rien, d'une fleur, d'un animal. Ouais, mais c'est une forme de sagesse. Ouais. que de savoir reconnaître La simplicité en fait. Je trouve qu'il y a plein de raisons d'être heureuse. On a de la chance quoi. Ce qui me rend heureuse, mon amoureux, mon chat aussi parfois, beaucoup ma famille, mon travail me rend très heureuse aussi. Mais je pense que j'arrive à saisir la matière positive qui nous file sous les doigts. Avec le temps, quoi. Les secondes sont des gangs dont il faut extraire l'or, disait je ne sais plus quel poète. Oh, de voir les gens heureux. Je vois les gens joyeux, ça me rend heureux. Moi, je crois tout simplement qu'être assis sur un banc, sur une terrasse, à manger des fraises tagada avec du café pas loin, ça me rend heureux. En papotant. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on prend pour l'instant présent, là. Ouais.